votre première source en matière d'information culturelle. Consultez dès maintenant le www.vidou.tv. Pour ce quatrième pique-nique électronique de la saison, Soundbeat Mag a rencontré la DJ Sonia, originaire de Suisse, et nous lui avons demandé ce qu'elle pensait de la place des femmes dans le milieu du DJing. Pour moi, c'est pas un problème. Il y a énormément de femmes maintenant qui font ça. Il y a malheureusement pas assez de femmes qui produisent de la musique, ou en tout cas qui le font de façon individuelle. Mais j'ai pas l'impression de sentir un ghetto. Oh, c'est une fille, oh, c'est un garçon. Il y a des filles qui sont douées, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des garçons qui sont bons, il y en a d'autres qui sont nuls. Enfin, c'est pour moi absolument pas un problème. Entre filles, ce qui est bien, c'est que avec mes collègues filles, DJ, on s'entraide. Ce qui n'est pas forcément le cas avec mes collègues masculins. On partage des disques, on partage de la musique, on partage l'envie de faire la fête ensemble. Qu'on soit une fille ou un garçon, vraiment, ça n'a jamais été un problème. Je pense que quelque part, si on se positionne d'abord comme fille, on va peut-être avoir des problèmes de ce côté-là. Si on se positionne d'abord comme DJ, ça passe tout droit. Tranquillement, pas vite, on va y arriver, puis on va devenir de plus en plus. Il n'y a pas d'injustice, que ce soit les hommes, les femmes. Ben, il y a de la place pour les DJ féminins comme masculins. On sent une vibe différente quand c'est une fille qui fait la musique. I think that for women, sometimes there's something to prove, so sometimes they actually are really into it, and like they can drop some bombs on you, and you when you hear that, you're like, oh, you know, they're bringing it, you know, so they're bringing it just as much as the guys.